Combien vous sentez déjà quelque chose qui se passe dans le corps? Franchement, cette semaine, waouh! Bon, bref, je ne vais pas aller dans les détails, mais bon, je ne veux pas vous dégoûter. Mais tous les fruits et légumes commencent à faire son effet. Waouh! Je dis vraiment, Seigneur, j'espère que ça va s'équilibrer bientôt. Ésaïe 54. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous faisons un jeûne. Amen. Et n'oublions pas, mes amis, même si vous pensez vous êtes... C'était drôle parce que, bon, quelqu'un voulait me blaguer. Il m'a envoyé un petit SMS cette semaine pour me dire, « Oh, pasteur, j'en peux plus. Je suis chez McDo en train de manger une salade. » Bon. Il me l'a fait ça pour blaguer un peu, mais je dis, et tout ce que j'ai répondu, mais M petit c D majuscule avec point d'interrogation. Et puis après, j'ai copié un lien sur l'Internet, là où j'ai trouvé la liste de tous les restaurants vegan qui sont à Paris. Je dis, au moins manger quelque chose de bien. Alléluia. Ok, Ésaïe 54, verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages. Et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier en mettant toutes les blagues à côté. Alléluia. Mais vraiment, on est content que, encore une fois, cette année, tu nous appelles à ce temps de prière et jeûne. Seigneur, ce n'est pas pour nous punir, mais c'est pour nous purifier. Alléluia. Et Seigneur, même quand tu exposes nos faiblesses, quand tu mets ton doigt sur les péchés et nos transgressions, Seigneur, ce n'est en aucun cas pour nous casser ou nous éloigner ou nous renvoyer. Parce que c'est par tes miséricordes, Seigneur, que nous sommes attirés à la repentance. Sincèrement, Papa, nous voulons être changés. Nous voulons être transformés afin que tu puisses tirer sur les cordages de nos cœurs pour nous élargir, pour que nous soyons un peuple plus grand, Seigneur. Alléluia. Papa, je te demande maintenant de nous accorder tous cet esprit de révélation avec l'esprit de sagesse afin que nous puissions voir Jésus élevé et glorifié. Et en le voyant, nous deviendrons comme lui. Et c'est dans ce nom tout-puissant que nous le prions. Alléluia. Amen. Alors, Ésaïe 54, c'est notre texte qui nous suit pendant tout le jeûne de Daniel. Et j'aimerais juste vous donner un petit contexte dans lequel Ésaïe a écrit ces paroles. Il ne faut pas oublier que peu de temps avant que Ésaïe a prophétisé, les 10 tribus du Nord étaient détruites par l'empire de l'Assyrie. Les Assyriens, ils ont envahi tous les 10 tribus du Nord et en conséquence, tous ces habitants étaient dispersés dans le monde et on les appelle les 10 tribus perdues. Quoique aujourd'hui, et c'est ça grâce à l'ADN et toute autre sorte de recherche scientifique et médicale, alors, on est en train de redécouvrir les 10 tribus perdues et il commence à être restauré Israël pour accomplir les prophéties messianiques. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet pour une autre fois.
Quoi qu'il en soit, c'était un temps de déprime dans les deux tribus du sud, qu'on appelait à l'époque Juda. Alors, les Juifs étaient vraiment dans une déprime. Et le délaissé, ce n'est pas le nord, c'est le sud. Et Dieu dit que les enfants de ceux qui sont dans le sud seront plus nombreux de ceux qui étaient du nord. En fait, ce qui s'est produit lors de cette invasion des armées du nord, les hommes étaient pour la plupart tués ou amenés en esclavage. Beaucoup de gens étaient dispersés, mais il y avait quand même des rescapés, surtout parmi les femmes et les enfants. Beaucoup de rescapés. Alors imaginez, si vous faisiez partie de ces gens qui vivaient dans le nord, et vous avez pu vous échapper, vous fuirez où? Vous irez où? Ben, dans le sud, n'est-ce pas? Donc il faut savoir que pendant quelques années, il y a eu quand même une énorme vague une vague de réfugiés venant du nord. Et beaucoup de familles dans le sud ont adopté ces enfants et ont pris ces femmes dans leur maison pour accomplir justement ce qu'a dit le prophète. Regardons encore le verset 1 ensemble. Parce qu'il dit, Ésaïe parle à ceux du sud en disant, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, les douleurs d'enfantement. » C'est quand même une exhortation assez extraordinaire. Est-ce que vous étiez jamais dans un temps de grosse fatigue, de grand découragement ou de tristesse? Et honnêtement, le pire, c'est que quelqu'un, un bon frère, une bonne sœur, vienne à côté de toi en disant « Ah, toi, que Dieu est bon !» N'est-ce pas? Tu as envie de gifler un tel frère. Bon, en demandant pardon après, n'est-ce pas? Mais quand tu es un peu découragé, tu n'as pas vraiment envie d'entendre quelqu'un t'exhorter. Allez, éclate-toi de joie! N'est-ce pas? Tu n'as jamais vu quelqu'un qui essaie de mener un culte dans la louange, mais qui, visiblement, le gars, il n'a pas la joie au fond de lui, visiblement. Mais il s'efforce. Et il commence à crier. Il commence à faire un peu pom-pom girl. Mais on sent qu'au fond de lui, il n'y a vraiment rien, quoi. Hello? Non? Il n'y a que moi qui passe par ce genre d'expérience. Oh, je déteste ça. Franchement, que ce soit authentique. Amen. Et tu sais, le gens crient, « Êtes-vous dans la joie? » Oh là là, j'étais dans la joie, mais maintenant que tu as crié sur moi, non, je ne suis plus dans la joie, non. Mais je trouve ici quand même, c'est un peu forcé ce que dit Ésaïe. C'est un petit peu forcé. Cette idée de faire éclater, le mot veut dire sérieusement explosion. Faire exploser ta joie. Mais écoute, tu ne vois pas que je suis un peu déprimé, un peu découragé. Mais pourquoi faut-il changer son attitude, verset 2 la fin de cette verset 1. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Je pense qu'il arrive un moment pour nous tous, frères et sœurs, et je crois que l'Église du Bon Berger, on est dans ce cas-là, où Dieu veut tirer notre regard de nos manques ou de nos échecs. Il veut tirer le regard vers les promesses, vers ce qui va se passer rapidement et bientôt. C'est comme si Dieu est en train de dire à son peuple, vous n'avez plus le temps, mes enfants, de simplement lamenter votre situation et vos manques. Parce que lève les yeux, c'est un peu ce que Jésus a dit.
Ne dis plus qu'il y a encore 3 ou 4 mois jusqu'à la moisson, mais lève les yeux car les champs sont blancs, déjà prêts pour la moisson. Et c'est comme si Dieu veut nous dire aujourd'hui, mais bon berger, yin, lève ou giste, je ne sais pas, mais levez les yeux et regarde. Regarde ce qui se passe autour de vous. Je suis déjà en train de tirer sur les cordages de la tente. Mais vous ne l'avez pas vu. Mais je vous dis maintenant, au lieu de juste regarder ce qui vous reste sur votre assiette personnelle, et combien vous reste dans la petite coupe devant vous, mais lève les yeux parce que, et regarde à l'horizon, il y a des gens qui s'approchent de votre tente. Vous dites, oui, mais notre tente est tellement petite. Notre tente est tellement... Mais vous savez que quand les tentes des autres sont détruites, il commence à regarder à l'horizon pour voir quelle est la tente qui est toujours dressée. Vous êtes là ce matin. Et ils disent, ah, je vois, il y a une tente là-bas encore dressée. Peut-être là-bas, ils ont de quoi à manger. Peut-être là-bas, ils ont de quoi à boire. Et Joe commence à raconter à Fred. Et Fred à Greg, et Greg à je ne sais pas qui d'autre. Et tout d'un coup, le 1 devient 10 et le 10 devient 100. Et puis tout d'un coup, il y a une vague énorme qui commence à s'approcher à la tente parce qu'ils ont regardé de loin. Ils ont dit, mais certainement là-bas, ils doivent avoir de la nourriture. Hello. Et je crois que nous sommes un peu dans cette saison-là. On a tendance tous de regarder à notre assiette et dire, oula, au niveau, et je parle de spirituel, au niveau de ce qui me reste sur mon assiette, ok, il y a pour moi, peut-être pour une autre, mais au-delà. Et Dieu dit, lève les yeux, mes enfants, regarde déjà ce que je fais parmi vous. Tu dis, ah, je ne suis qu'un jeune, je ne suis qu'un débutant. J'ai besoin à ce qu'on m'accompagne dans ma foi. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de prière. J'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de ceci et de cela. Et Dieu dit, ok, on s'occupe de toi, mais lève aussi les yeux parce que maintenant, tu n'as plus le temps d'être un enfant. Il faut que tu deviennes aussi père. Il faut que tu deviennes aussi mère. Parce qu'il y a d'autres qui arrivent. C'est un petit peu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte à Jérusalem, après la résurrection de Jésus. Jésus, après sa résurrection, mais avant l'ascension, il s'est révélé à plus de 500 personnes. Plus de 500 personnes vivant sur la terre à l'époque, ils ont vu avec les yeux physiques Jésus-Christ ressuscité. Mais parmi les 500, il n'y avait que 120 qui ont resté fidèles et puis qui étaient au rendez-vous lorsque Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Ils étaient au rendez-vous, les 120. Et c'était comme si pour les 120, j'entends un petit peu la même chose. Lève les yeux, les enfants, parce que vous ne resterez pas 120 pour longtemps de plus. Il y a une vague qui va venir. Mais tu sais, avant que la vague ne vienne, ok, ce sont des belles promesses, mais bon, mais on peut détendre. Le 120 est devenu combien? 3120. 3000 qui venaient de loin, qui n'avaient à Jérusalem aucune maison, aucun travail, et qui sont venus à Jérusalem juste pour la fête de Pentecôte. Mais la grande majorité de ces 3000 ont resté pendant encore quelques années de plus. Devinez qui les a accueillis? Ben, les 120. Devinez à un moment qui les a nourris, ben, les 120. Ils étaient peut-être les disciples de Jésus pour quelques mois, mais tout de suite, ils sont devenus pasteurs, bergers. Combien de vous, vous allez vivre une chose pareille dans les prochains mois? Là où tu te dis, mais... Je suis tellement insignifiant dans cette église, je me demande même si les gens savent que je suis là. Et là, Dieu va agir d'une telle manière, il va faire un dépôt en toi qui est tellement magnifique
que ça va agir comme un aimant et qui va attirer beaucoup d'autres vers toi. Et puis dans quelques temps, dans quelques semaines, vous aurez plusieurs personnes et tu seras obligé de donner de ton assiette pour les nourrir. Alléluia. C'est ça ce que Dieu veut faire. Regardez verset 2 ensemble. Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Combien vous avez déjà fait un petit séjour dans le Negev, en Israël, dans le Negev? C'est magnifique. Est-ce que vous avez dormi avec les Bédouins? Oui. Ah, on a fait ça une fois. Ah, c'est trop chouette, n'est-ce pas? Trop chouette. Mais élargir l'espace de la tente n'est pas trop difficile au début. Parce que, bon, il s'agit d'un toit et puis les côtés. Pour élargir l'espace, il faut juste lever les côtés et tendre les tapis. C'est tout. Bon, c'est-à-dire que dans un premier temps, ce n'est pas trop compliqué pour élargir l'espace. Mais Dieu rajoute encore plus, il dit, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Là, c'est plus compliqué. Parce que ça parle du haut, le toit de la tente. Et là, si tu veux le déployer davantage, il faut rajouter de la tissu. Il faut coudre. Il faut coudre. OK? Ou utiliser vraiment un bon scotch. Quoi qu'il en soit, ça devient, ce qui était facile au début devient compliqué. Et là, il rajoute, j'aime bien ça, il dit, ne retiens pas. Pourquoi il dit, ne retiens pas? Parce que nous sommes tous des négociateurs et nous voulons tous faire des économies, n'est-ce pas? On veut se dire, bon, on peut accommoder encore une dizaine de personnes. Mais Dieu dit non, je veux que tu prévoies une centaine de personnes. Ben, mais Seigneur, tu te rends compte, si on va accueillir encore une centaine de personnes sous notre tente, ça c'est du matériel. Et vraiment, trouver l'argent pour acheter du matériel, c'est un défi. Quelqu'un est là? C'est un défi de trouver un tel investissement. Et où est la garantie que ces centaines vont venir? Et si je dépense de l'argent pour rajouter de la tissu pour une centaine de personnes et nous ne recevons que dizaines de personnes? Parce que pour l'instant, on peut accommoder encore une dizaine de personnes juste en levant un peu les côtés de la tente. Mais une centaine, non, ça serait impossible. Là, il faut quasiment doubler la surface du toit. Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc Dieu dit, ne retiens pas. Tout le monde dit là à vote, s'il vous plaît. Ne retiens pas. On va le dire encore avec un peu de ouf. OK? 1, 2, 3. Ne retiens pas. Allonge les cordages. Allonge les cordages. Alors là, j'ai fait une petite enquête. En fait, souvent dans le désert, il manquait du matériel pour faire les espèces de cordages. Donc parfois, ils faisaient avec le cuir. Et le cuir, quand tu rajoutes un peu d'huile d'olive par exemple, le cuir devient plus souple. Donc tu peux tirer pour allonger le cuir. Est-ce que vous me suivez? OK, tandis qu'une corde, végétal par exemple, si tu tires trop, ça se casse. Mais avec le cuir, s'il est bien travaillé avec une huile, ok, là ça rend souple les cordages et là tu peux tirer. Alléluia. Vous savez ce que Dieu veut faire avec toi? Parce qu'il commence déjà avec moi. Donc c'est pour ça que je sais qu'il va le faire avec toi. Déjà, il va te tromper de son Esprit Saint. Il va te tremper de son Esprit Saint. Alléluia. Il va te travailler. Il va te masser
avec son Esprit Saint pour que tu deviennes de plus en plus souple. Ouh, alléluia. Béni soient les flexibles, car ils ne seront pas cassés. Dieu va te rendre souple par l'Esprit de Dieu. Amen. Ouh, juste fermez les yeux un instant. Dieu va vous travailler un petit peu par les mains de l'Esprit. Allez, juste fermez les yeux. OK? Je ne sais pas si vous avez jamais eu un, comment ça s'appelle, un massage. Voilà. Dieu va vous masser. OK? Il va déverser une huile chaude. Comme il chauffe dans la salle, parce qu'on respire tous. Il y a bientôt plus d'oxygène. Hallelujah. Et Dieu est en train vraiment de vous masser partout. De la tête jusqu'aux pieds. Pour te rendre bien souple. OK, ne dormez pas, s'il vous plaît. Et là, il finit en disant, affermis les pieux. Alors, j'ai aussi, je me suis bien posé la question, mais Seigneur, pourquoi il faut affermir les pieux? Parce que si tu veux doubler la surface de la tente, vous savez, hein, tu peux doubler, tripler, quadrupler la surface de la tente. La seule chose que tu fais, c'est que tu crées un plus grand parachute. Vous savez que quand le vent souffle dans le désert, parce que le vent souffle dans le désert, plus grande la surface du toit, n'est-ce pas, plus facile pour le vent de l'enlever. Souvent, ce qui se passe dans des églises qui sont en pleine croissance, c'est qu'ils ont de l'intelligence pour rajouter la tissu pour élargir la tente, mais ils n'affermissent pas les pieux. Et lorsqu'il y a un grand vent qui vient, tout s'en va. Donc pour moi, les pieux, ça parle aussi de la structure qui est invisible, ce qui se fait derrière pour que la tente soit bien enracinée. Parce que quand tu es dans le désert, il y a du sable, il y a de la poussière. Donc il faut vraiment enfoncer les pieux profondément pour que la tente soit bien ancrée en quelque chose de solide. Hello. Et ce que Dieu va faire, si Dieu veut doubler la surface de la tente, ben il va doubler la taille des pieux. Alléluia. Et peut-être tu vas devenir un pieu dans l'église. C'est-à-dire que ta présence ne sera pas forcément remarquée par les gens. Vous imaginez recevoir un visiteur sous ta tente? Tu ne vas pas lui proposer d'aller enquêter sur les pieux. Est-ce que vous voulez voir les beaux pieux que j'ai? Ah ben non. Vous allez lui montrer les décorations, les tableaux, la qualité du tapis, etc., les choses visibles. Mais tu ne l'amènes pas voir la force des pieux. Par contre, si jamais il dort chez toi et dans la nuit, il y a un vent violent qui frappe la tente, là, il va remercier son hôte de la force des pieux. N'est-ce pas? Mais on ne voit jamais les pieux, sauf, on n'y pense jamais, sauf qu'on est dans un temps de crise. Et dans nos jours de vedettes, et dans nos jours un peu de voilà, vivre la vie d'un star, on veut tous être le tableau sur le mur. On veut être vu, parce que là, on a de la valeur. On a l'impression que si je ne suis qu'un pieu, j'ai plus de valeur. Ah ben, vous plaisantez. Tout constructeur de tente, il sait que l'élément qui a le plus de valeur dans une tente, c'est la partie de la tente qui n'est pas visible. Parce que sans les pieux, la tente ne resterait pas longtemps. Pareil dans une église. Vous savez, l'église a toujours besoin des responsables, des gens qui sont au service, les gens qui sont fidèles. Les gens qui sont fidèles, surtout avec des finances, dans les prières, dans la salle d'intercession avant le début du culte. Et puis, je veux dire, pour la taille que nous devenons, on a trop peu de monde derrière avant le culte. On a trop peu. Je vous l'ai dit tout de suite.
Je suis très content qu'il y ait de la prière dans l'Église. Je ne dis pas le contraire. On a un niveau suffisant, mais que suffisant pour l'instant. Mais avant le début du culte, en fait, la réussite du culte est décidée derrière, pendant le temps d'intercession. Et pour la taille que nous sommes, on a trop peu de monde. Peut-être que vous ne savez même pas qu'il y a un temps d'intercession avant le culte. Je vous le dis maintenant. OK, à 8h30, ça commence jusqu'à 10h, jusqu'au début du culte. Et à n'importe quel moment, dès que vous arrivez dans le bâtiment, si vous voulez vous mettre dans le temps de prière, vous êtes les bienvenus. Pour moi, souvent, je n'arrive pas avant 9h30, mais tout de suite, je fonce vers le temps de prière parce que c'est là où j'entends la voix de Dieu pour vous. Et plus que nous sommes qui sont en train de prier, plus forte est l'onction de Dieu que Dieu déverse. OK? Donc, soyons au rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Et là, Dieu dit dans le verset 3, le résultat de tout ça. Et peut-être la raison aussi de l'engagement. Car tu te répandras à droite et à gauche. Imaginez encore une fois que tu vis en Juda. Tu as les Égyptiens dans le sud, la mer à l'ouest, les Babyloniens à l'est et les Assyriens au nord. Tu es vraiment enfermé, toi. Mais Dieu dit à son peuple, tu vas répandre à droite et à gauche. Continuons. Ta postérité, tes enfants, envahira les nations. Alléluia. Et je suis convaincu, mes amis, que cette promesse s'applique vraiment à nous. Car Dieu est en train de faire quelque chose avec cette prochaine génération. Et je me réjouis vraiment quand je vois des jeunes qui s'engagent, mais avec une telle maturité dans le Seigneur, c'est vraiment époustouflant. Je remercie le Seigneur et je dis, mais allons encore plus. Alléluia. Allons encore plus parce que la promesse de Dieu est pour vous. Vous allez envahir les nations. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que cette génération qui se lève, alléluia, qui est jeune maintenant, mais ils ne vont pas rester jeunes trop longtemps. Dieu les met sur une piste d'accélération vers une maturité en Jésus-Christ. Et vous allez voir que pour ceux de ma génération qui ont dépensé des années, même des décennies, pour parvenir à une certaine maturité spirituelle, cette prochaine génération, Dieu va réduire en moitié le temps nécessaire pour atteindre la même maturité. Parce que c'est la grâce de Dieu. Et c'est cette génération qui va envahir. Et pour moi, toutes les nations qui étaient autour de Juda, c'était des nations menaçantes. C'était des ennemis. Dieu va envoyer cette génération dans le camp de l'ennemi pour posséder les villes. Des choses qui, pour moi, j'ai trouvé intimidantes. Cette génération va dire, mais pourquoi pas aller? Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Et là, il nous dit en verset 4, il dit, ne crains pas. J'aime bien Dieu, parce qu'il peut nous sortir tellement de choses, mais il se souvient de notre nature. Il se souvient de combien on est quand même fragile. Même le jour où on est les plus courageux, le plus audacieux, le plus costaud, le plus engagé, Dieu voit, il dit, oh là, quand même. Ça ne va pas aller très loin. Donc, et j'aime vraiment cette qualité de père chez notre Dieu. Alléluia. Il est le chef des armées. C'est vrai.
Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le roi de l'univers. Il est le Seigneur de gloire, c'est vrai. Mais à la fin de la journée, tu sais, quand je suis face à la fragilité de ma vie, je retrouve chez le Dieu qui fait peur à l'ennemi, je retrouve le cœur de père quand même. C'est quand même, il est mon papa. Hallelujah. Il ne permettrait pas à ce que je me trouve dans une situation qui me dépasse, qui est plus forte que ma foi, qui dépasse le niveau de grâce qu'il m'a donné. Il ne le permettrait pas. Hallelujah. Vous m'entendez? Dieu, il me dit, fiston, ne crains pas. Alléluia. Quand je regarde à cette année, je regarde tout ce que Dieu envoie déjà sur notre assiette, Dieu dit, fiston, ne crains pas. Ne crains pas. Alléluia. Quand il te donne, quand il fait naître dans ton cœur un nouveau projet, et tu dis, mais Seigneur, je ne suis pas capable de tenir une telle chose, une telle charge, Dieu dit, ne crains pas. Quand tu te trouves dans une situation qui te dépasse, une situation, une telle situation qui était complètement inattendue, peut-être un accident, peut-être autre chose, mais qui vraiment montre un défi pour ta foi, Dieu te dit, mon enfant, ne crains pas. Ne crains pas. Dieu ne promet jamais, mon ami, que ta vie sera facile. Mais il promet quelque chose. Ta vie va compter. Ta vie sert à quelque chose. Tu es là pour une raison. Tu as une mission donnée par Dieu lui-même. Et si tu persévères jusqu'au bout, tu ne seras pas privé de la victoire promise. Ne crains pas. Ne rougis pas, tu ne seras pas, trois choses j'aimerais juste souligner pour terminer, tu ne seras pas déshonoré. Tu ne seras pas déshonoré. Numéro deux, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et trois, je l'ai perdu, donne-moi juste un instant. Oui, et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Trois choses. Je crois vraiment que Dieu veut faire une délivrance dans nos cœurs aujourd'hui. Il veut vraiment te délivrer du déshonneur. Du déshonneur. C'est quoi l'honneur? L'honneur, c'est la valeur attribuée à quelqu'un et exprimée. Une valeur de quelqu'un et tu l'exprimes. Ça, c'est l'honneur. Honorer, c'est quand tu vois, tu regardes quelqu'un en face et tu constates la valeur qu'a la personne et tu exprimes cette valeur. Ça, c'est l'honneur. Donc, c'est quoi le déshonneur? C'est le contraire. C'est-à-dire que quelqu'un t'a dévalorisé. Ou peut-être, ils ont vu ta valeur, mais ils n'ont rien dit. Tu le vis exactement pareil. Tu sais, tu peux être entouré de gens qui t'aiment. Et c'est vrai que dans notre belle culture française, je ne sais pas si tu as jamais vu des obsèques, surtout de nos politiciens. C'est extraordinaire. Comment la mort d'un politicien peut réunir tous les partis politiques? Et les gens qui n'ont jamais trouvé une occasion pour dire quelque chose de bien sur une personne, après sa mort, là, on fait des éloges. Je trouve ça tellement hypocrite, tellement triste. Si tu le penses vraiment, pourquoi ne pas dire lorsque ça pourrait le profiter? Amen. Oui, mais ce n'est pas notre culture. Oui, mais peut-être on peut changer certains aspects de notre culture. Pour toi, tu as de la valeur. Dieu l'a déjà dit. Dieu l'a déjà établi. Tu as de la valeur. Mais la question est-ce que tu reçois l'honneur? Et pour beaucoup d'entre nous,
on porte au fond de notre âme la marque d'une personne déshonorée. Et parce que pour toi, tu as une connaissance intellectuelle de ta valeur aux yeux de Dieu, mais au fond de ton âme, dans tes sentiments, tu ne le ressens pas. Et je sais que je parle à beaucoup de gens. Même pour quelqu'un, même quand tu es remercié pour une chose que tu fais, tu as du mal à le recevoir. Même une reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'au fond de ton âme, tu étais tellement déshonoré que même si tu crois intellectuellement que tu as une valeur aux yeux de Dieu, tu ne le ressens pas dans tes sentiments. Et Dieu dit, tu vas oublier le déshonneur. Alléluia. Amen. Mais mes amis, franchement, une des plus grandes raisons pour lesquelles on n'obéit pas à Dieu, c'est parce qu'on ne pense pas être capable. Et on pense qu'on n'est pas capable de lui obéir parce qu'on ne ressent pas la valeur que nous avons véritablement à ses yeux. Et ça devient une lutte intellectuelle. Et le problème, c'est que c'est un problème émotionnel. Et Dieu veut vraiment faire un miracle ce matin. Ok, deuxième chose, il dit qu'il va nous délivrer de la honte de la jeunesse. C'est quoi la honte de la jeunesse? Je ne sais pas combien vous étiez malheureusement un peu comme moi. J'ai pris quand même des mauvaises décisions quand j'étais jeune. Parfois, mes décisions étaient prises dans un esprit de rébellion. Je savais ce qu'il fallait faire et j'ai décidé de ne pas le faire. Mais d'autres fois, j'ai pris une décision pensant que je faisais ce qui était bien, en utilisant l'intelligence que j'avais à l'époque, mais maintenant que je suis plus vieux, plus âgé. Je suis plus âgé et plus expérimenté. Maintenant, je peux regarder en arrière et dire, oh mon Dieu, si je pouvais le refaire. Hello? Non? Pour moi, c'est ça la honte de la jeunesse. La honte de la jeunesse, de subir les conséquences de certaines mauvaises décisions, soit parce que j'étais rebelle, ou soit parce qu'il me manquait de sagesse. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, Dieu va nous délivrer aujourd'hui, hello, de la honte de la jeunesse. Maintenant, écoutez, cela ne veut pas dire qu'il nous délivre des conséquences de nos décisions. Ok? Parfois, il y a toujours des conséquences à subir. D'accord? Mais Dieu peut te délivrer de la honte associée à cet acte. Et Dieu va le faire de juste un instant. Ça, c'est le signal. Il faut que je termine. Quel bel signal. Alléluia, ma chérie. Ok, troisième chose que Dieu va nous délivrer aujourd'hui, l'opprobre du veuvage. Pour moi, le veuvage est différent que la honte de la jeunesse. Dans le sens que quand une femme perd son mari, ce n'est pas sa faute. On ne dit pas à la femme qui est veuve, ah, tu es une meurtrière, tu as tué ton mari. Non, ça serait différent. Elle est veuve et ce n'est pas sa faute. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, écoutez-moi, très important, écoutez-moi, il y a beaucoup de gens parmi nous, des choses se sont tombées sur toi. Tu n'étais pas auteur de ces choses, tu ne priais pas pour que une telle chose t'arrive, mais cette chose t'est arrivée. Et tu vis comme une opprobre depuis, comme une sorte d'ombre de doute. Tu te fais une prison en disant que je ne peux pas vraiment servir Dieu à plein cœur parce que j'ai ça maintenant. Tu as la femme qui perd son mari, qui dit, mais je n'ai plus, surtout en Israël à l'époque, je n'ai plus de valeur parce que mon mari, il n'est plus là. Je n'ai plus d'identité parce que je n'ai plus ça dans ma vie. Hello. Et on se fait une prison. On s'attribue des limites de notre foi, de nos rêves,
parce qu'il nous manque quelque chose dans la vie. Mes amis, j'aimerais vous dire, si vous êtes en Jésus-Christ, il ne vous manque rien. Pour ceux qui sont célibataires et tu dis, mais ma vie est sur pause parce que je ne suis pas marié. Ah bon? Tu peux me donner le chapitre et le verset qui le dit dans la Bible, s'il te plaît? Parce que moi, franchement, quand je lis certains écrits de l'apôtre Paul, il dit exactement le contraire. Mais tu vois cette idée que parce que, peut-être parce que je suis une femme et je ne suis pas un homme, il y a des choses que, voilà, je ne peux pas faire, je n'oserai même jamais le faire parce que, hello? Peut-être tu te dis parce que je n'ai pas la bonne couleur de peau, je ne sais pas ce qui est la bonne couleur de peau, mais bon, bref. Parce que je n'ai pas la bonne couleur de peau, il y a des choses que je n'oserais pas faire parce que je, tu vois, tu vis sur une opprobre. Et Dieu veut le casser. Ne fais pas de ce monde un joug que Dieu ne te donne pas. Ne fais jamais de l'opinion humaine un joug que Dieu ne te donne pas. On le rejette, on le refuse par le nom glorieux de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un racheté. Je ne dois pas souffrir de mon veuvage. Je ne dois pas souffrir de mes manques. Parce qu'en Jésus-Christ, je ne manque de rien. Levez-vous, s'il vous plaît. Trois choses, Dieu va nous délivrer aujourd'hui. Si je peux voir les membres du conseil spirituel rapidement sur le devant. Et j'aimerais vraiment dire à nos internautes, ne coupez pas encore. On n'a pas encore fini. OK? Le miracle va venir maintenant, même chez vous. Même chez vous, même dans un instant, le miracle va venir sur vous. Donc, restez bien connectés. Trois choses Dieu veut faire effectuer dans nos cœurs. Les membres du conseil spirituel, s'il vous plaît, sur le devant. Merci. Il veut te délivrer du déshonneur. Alléluia. Si maintenant, juste fermez les yeux, si maintenant, au fond de toi, tu ressens vraiment. J'aimerais juste dire aux membres du conseil spirituel, il va falloir peut-être prier d'une manière accélérée ce matin parce que je ressens qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont demander la prière. Okay? Si tu as vraiment au fond de toi un sentiment de ne pas recevoir la vraie valeur et que même quand on parle de la recevoir de Dieu lui-même, tu n'arrives même pas. Tu n'arrives pas. Tu arrives intellectuellement, mais au fond de tes sentiments, tu n'y es pas. Alléluia. Dieu va toucher ton cœur ce matin. Il va enlever le déshonneur pour que tu puisses recevoir l'honneur de Dieu. Alléluia. La deuxième chose, la honte de la jeunesse. Si tu es là et tu dis, mais je souffre tellement de certaines décisions que j'ai prises dans ma jeunesse. Et quand je dis jeunesse, ce n'est pas forcément dans tes adolescences. C'est peut-être juste il y a quelques semaines, mais tu vois, c'est un peu l'attitude d'un jeune. Peut-être t'as pris une décision par rébellion ou juste par manque de sagesse. J'en ai fait un paquet. Croyez-moi, mes amis, j'ai déjà vécu ma délivrance hier soir quand je mettais ça devant le Seigneur. Je m'ai montré certaines choses au niveau de l'implantation des églises que nous avons perdues. Et j'ai vraiment perdu mon goût, le goût au fond de moi de cette œuvre apostolique. Et Dieu m'a délivré de cette honte de la jeunesse. Alléluia. Et Dieu va vous délivrer ce matin aussi au nom de Jésus. Et l'opprobre du veuvage. Peut-être tu vis une situation relationnelle. Peut-être tu vis peut-être même une maladie ou quelqu'un à la maison qui est malade. Qui a une maladie chronique. Tu vis une situation financière qui n'est pas vraiment ta faute. N'importe quelle raison que ce soit, mais si tu as fait un joug
À cause des manques dans ta vie, Dieu va briser le joug et te libérer. Si l'une de ces choses correspond à ta vie, ta situation actuelle, venez maintenant sur le devant, on va prier pour vous. Rapidement, venez, n'hésitez pas. Venez rapidement. Alléluia. Venez rapidement. On va, le groupe de musique, le groupe de louange va entamer un chant. Alléluia. Et on va adorer le Seigneur. Et je vous encourage, si vous voulez recevoir la prière, déjà quittez votre place pour que nous puissions constater combien de gens sont dans les allées. Alléluia. Mais en attendant ce temps de prière, adorez le Seigneur d'un cœur entier. Laisse Dieu vraiment te remplir, te toucher ce matin. J'aimerais juste vous exhorter, frères et sœurs, même si vous ne pensez pas avoir besoin pour cette prière. Dieu veut nous masser d'huile de son Esprit Saint ce matin. Alléluia. Il veut rendre plus souples les cordages de l'attente. Parce que, vous savez, il va commencer à tirer sur toi. Plusieurs personnes, vous le ressentez déjà. Alléluia. Et parfois, ça fait un peu mal. Mais là où ça fait mal, Dieu va rajouter un peu d'huile de l'Esprit Saint pour rendre encore souple afin de tirer encore davantage. Allez, levons tous les mains devant le Seigneur ce matin. Et pendant ce temps d'adoration, pour clôturer le culte, juste laissez Dieu vous inonder d'huile de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Chantons.